Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à... Bon, en fait on continue la série, on va dire. On teste Armored Core 4, publié par Sega cette fois-là, au lieu de HTEC, mais c'est encore fait par From Software, donc ça m'étonnerait beaucoup que j'aille, on va dire, un nouveau gameplay révolutionnaire. Ça m'étonnerait bien gros. On va avoir probablement du classique avec une qualité graphique de, on va dire, de début de console, parce que le jeu date de, si je vois bien ça, pour être bien sûr, c'est 2006. Alors, pas récent, pas vraiment. Si je me rappelle bien, le prochain est fait par Ubisoft. En fait, publié par Ubisoft. Donc, je sais pas si ça va être eux qui vont l'avoir fait ou si ça va être encore From Software. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui avec cet épisode-là. À savoir si, bon, est-ce qu'il y a encore plus d'améliorations? Parce que le premier était très bon. Le deuxième, j'avais détesté le contrôle, malgré que c'est beaucoup ressemblant au premier. Sauf qu'au premier, il me semble que c'était mieux un peu. On se serait attendu un petit peu plus du PlayStation 2, peut-être un peu plus de vitesse. Et dans le 3, un petit peu amélioré du 2, un petit peu plus ouvert peut-être, un petit peu plus beau graphiquement, un petit peu plus convivial sur l'interface. Mais sans plus. Là, on a une introduction. Pour l'instant, ça me plaît, c'est beau. Mais encore là, ça c'est du vidéo. Hein. On peut mettre n'importe quel jeu, n'importe quelle vidéo. On va dire qu'on a passé le budget là-dessus, puis c'est tout. Là. Ce qui arrive, c'est que dans ce type de jeu-là, bizarrement, même si c'est à peu près le but, je suis pas trop fan des combats aériens. Je sais pas, je suis plus genre comme lui, il est au sol puis il gun, c'est tout. Roquettes, mitrailleuses, lasers, missiles, ces trucs-là. Ou peut-être ça, oui, les booster packs, ça c'est correct, mais pas de voler. Je suis plus dans le genre... Ben, en fait, Vanquish est à peu près ce que devrait être un Armored Core, mais à l'échelle plus petite, si on peut dire. C'est ce que j'aimerais à peu près, là. Mais ça me donnerait beaucoup que ça arrive. Et encore là, je me demande s'ils vont nous mettre le contrôle de regarder en haut en bas avec L2 et R2 ou R1 et L1, qui est plutôt douteux comme contrôle. Je sais pas pourquoi être le stick, ça pourrait pas être mieux. Peut-être mettre ça, oui, ok, tu peux pas tourner aussi vite que dans un shooter normal. Mais au moins de mettre ce contrôle-là, ça serait peut-être plus facile pour tout le monde. Ou s'ils vont avoir laissé ça complètement hardcore, tu sais, c'est quasiment un jeu de mots, mais d'avoir laissé ça hardcore comme les autres, c'est sûr que dans ce temps-là, ça vend beaucoup moins, c'est plus adapté pour un public particulier qui est loin d'être des joueurs occasionnels. Là, on a juste deux trucs, bon, multiplayer, la version, c'est une version américaine que j'ai achetée, et non pas nord-américaine, j'allais dire la version canadienne, parce que maintenant, on a habituellement tout le temps des versions française, celui-là il est uniquement en anglais. Et on voit en arrière, c'est marqué 1 à 2 joueurs, et c'est-à-dire c'est uniquement des duels comme c'était avant. Alors aucune amélioration là-dessus, pas de mission coopérative, pas rien de ça encore, même si ça serait tellement beau de mettre ça, un petit mode coop. Alors on sélectionne les modes de jeu. Alors juste les modes de jeu, les paramètres plutôt. Juste une petite chose, d'ailleurs, pour ce qui était de l'update, il y en avait une petite au départ que j'ai fait juste avant de lancer le jeu pour sauver un petit peu de temps quand même, parce que ça devient un peu chiant. Et alors, on tourne à gauche et à droite avec ça, et est-ce qu'on a vraiment... Est-ce que je peux genre voir... Tu sais, je peux même pas changer move en haut, ok. Viser. Oui, on vise avec le stick! Oh my god, je reviens, faut que j'aille aux toilettes. Je pense que je viens d'avoir une émotion. On va dire ça comme ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, dans ce cas-là, parce que c'était franchement bien tannant avec les autres d'avant de viser avec les
En fait, en haut et en bas avec les boutons en arrière. Donc peut-être que là, on va avoir toutes les armes en arrière. Ça pourrait peut-être être intéressant, je pense. Alors, on commence avec un tutoriel. Il n'y a pas rien de sélection de mission, quoi que ce soit. C'est directement là-dedans. Alors, je bouge. Je tourne. La vitesse, en fait, on tourne pas. On tourne le mec, sauf le. C'est plutôt la caméra qui est tournée, mais bon, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était avant. En haut, en bas, c'est cool. Alors, je peux resetter ma caméra en appuyant sur R3, qui fait que ma visée redescend complètement en plein centre. Très bonne chose. Tutoriel 2, le boost. Alors, c'est avec le L2. Plutôt beau. Et ça va s'activer automatiquement si j'allais tomber dans l'eau. C'est ça, donc ça s'active automatiquement si je traverse de l'eau. Et voilà, pour être sûr que je me plante pas. Et là, ce qui arrive, c'est que si je le fais en avançant, je fais un dash, mais si je suis sur place, je peux tenir le boost pour monter dans les airs comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à contrôler, malgré que là, c'était pas au top, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qui était avant avec le X pour sauter, le carré pour attaquer, le triangle pour le boost au sol. Mais avec le X, si on réappuie dans les airs, faire un double saut, on active le turbo, le boost, c'était pas super. Alors on a le quick boost, qui est simplement pour éviter, on va dire, les trucs. Alors au lieu d'avoir le boost normal pour avancer plus rapidement avec le L2, c'est le R2. Alors ça évite le regarder en haut et en bas. Le overboost, ça prend pas mal toute la jauge, donc qu'est-ce que ça a l'air? Et c'est quoi? C'est le triangle. Alors, je pense que ça va super vite. Je vais supposer ça. On va regarder le kilométrage en haut. Il va à 850 km/h, ce qui est assez rapide. Je pense que c'est efficace, malgré qu'on n'a pas l'impression que ça va aussi vite. Alors, l'attaque basique avec le X, mon premier canon. Je peux sélectionner une cible avec. En fait. Ok, donc je dois appuyer sur L3 pour sélectionner une cible et tout simplement. Comme ça. Pour pouvoir locker dessus tout simplement. Et on le voit aussi en haut à gauche, à savoir quel ennemi que c'est avant d'être rendu. Alors là, de ce que je vois, pour tirer, c'est le X pour l'arme de droite, le carré pour l'arme de gauche. Peut-être ça aurait pu être différent avec le R1, L1. C'est peut-être modifiable, j'ai pas vérifié encore. Mais je pense que ça pourrait le faire. Alors, je dois utiliser mon rifle pour détruire l'ennemi avec le X. Et d'utiliser le carré avec le laser, qui est toujours l'arme secondaire. Et maintenant, j'ai avec un. Ok. Donc, si je suis au corps à corps, je suppose. Et voilà. Les missiles automatiques. Bordel, ça pète ça! Je veux ça pour commencer, mais je suis sûr qu'ils me le donneront pas. Quand même. Là, graphiquement, c'est sûr que pour ce qui est du robot, bon, les textures, ça a plus l'air. C'est pas réaliste, ça a l'air presque du cel shading. Changer mon arme de droite avec R1, donc c'est quand même correct. C'est pour ça que c'est. Alors, c'est le roquette ou le fusil. Et de l'autre côté, c'est le fusil, le laser. Ou l'épée, je pense. Mais bon, vous voyez à peu près le genre. Déjà là, ça semble assez complet. Je pense que je vais avoir un duel contre un robot normal. Non, ok, les armes d'épaule. Alors, avec le cercle, j'ai les missiles qui sont sur l'épaule.
des deux côtés, ça a l'air, qui sont sur les épaules et non, et c'est pas l'arme qui est sur le dessus à droite, là, le gros bloc que j'ai lancé tantôt. Non, non, ça c'est un arme, on va dire primaire, mais les deux armes à droite, là, c'est vraiment des armes d'épaule. Alors, je vais. Alors, j'ai des ennemis, donc, maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Je tire avec mon plasma rifle. Bon, j'appelle ça plasma rifle, mais c'est pas vraiment ça. Où est-il? Il est en dessous. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, l'interface a été grandement améliorée parce qu'avant, on avait un gros carré chiant. Là, ils nous ont mis un petit... on va dire... un petit cercle plutôt que de nous mettre le gros carré dégueulasse. C'est déjà plus convivial que ce que c'était avant. Alors, on a le choix un peu du robot pour démarrer la partie, qui est l'autre, nous donnait toujours à peu près le robot standard avec l'épée à gauche et le rifle à droite. Il fallait faire des missions pour avancer, pour être capable de ramasser de l'argent. On a le contrôle facile de qu'est-ce qui marque dans le bas. Alors, c'est pratique d'à peu près dans toutes les batailles. On a le médium qui est quand même assez large avec... c'est pesant avec la grosse armement. Et on a le ultra léger qui sacrifie de la défense pour de l'agilité. Alors, je vais prendre le moyen, tout simplement. C'est marqué facile, mais c'est juste pour les statistiques du personnage tout court. C'est pas plus facile à... Ben, peut-être plus facile à jouer. En fait, j'aurais mis le plus facile à jouer, plus pesant et plus armé, mais bon. Alors là, ils nous mettent un petit semblant d'histoire, plus que ce qu'on avait avant. Avant, ça se passait avec des messages dans un ordinateur. Donc, on dirait qu'ils ont écouté un petit peu plus qu'est-ce que les joueurs demandaient. Malgré que, comme c'est Sega qui l'a publié, peut-être que eux, en ayant joué à l'autre d'avant, auraient vu les ventes, les chiffres de vente. Et se sont dit, bon, nous, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, dépendant, eux, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que ça change d'un éditeur à l'autre. Et ils ont dit, bon, ça nous prendrait peut-être une petite affaire de plus côté histoire, peut-être un petit peu plus, on va dire, accessible aux joueurs, plutôt que d'avoir d'en vendre moins de copies. C'est sûr que c'est plus intéressant pour un éditeur d'en vendre plus, hein, c'est plus d'argent pour lui. C'est plus d'argent pour plus d'autres jeux en développement, donc c'est même ça fonctionne. Alors là, ça fonctionne par mission encore une fois, mais on a tout déjà à l'écran comme ça. Alors ça nous donne 40 000 crédits. Je sais pas pourquoi ils vont pas par les plus petits chiffres, mais bon. 40 000 crédits, l'objectif, éliminer l'ennemi principal. Alors mon nombre de munitions, je sais pas pourquoi c'est marqué 50 000 crédits. J'ai pas de bonus. Ok, en fait... Si je dépasse pas, je pose mon nombre de balles, genre 50 000 crédits, je sais pas, peut-être. Puis, j'ai pas de bonus de temps si je la termine plus rapidement. Après ça, protection des dommages 8 000, je pose que donc il y a 8 000 de protection. Et, ok, je pose que ça et le temps 180, sûrement pas 180 secondes. 180 secondes, ça donne quoi? Ça donne 3 minutes. Ouais, 3 minutes, c'est quand même rapide, hein? Schématique, qu'est-ce que c'est? Ou schéma, plutôt, on va dire, en le traduisant rapide. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est mon robot? Non, ok. Ça a l'air d'être la campagne, je sais pas, ou peut-être ma partie. O-C-S-I-S. Alors, il peut pas trouver mon schéma. Ok, non. Je pense que c'est avec... on va aller voir le garage tout de suite après. Le système, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est les options. C'est à peu près ça. Ok.
Déjà là, ça reste quand même assez dans le dans l'esprit du Armored Core classique. Pour ce qui est des menus style vraiment avancé technologiquement, c'est du carré. C'est quand même bien foutu. T'as plus l'interface, on va dire, électronique. On va aller voir le garage. Alors, je suis dans le garage et je peux pas aller à gauche. Le schéma, bon, c'est celui que j'ai. C'est le type Hogir. Alors, c'est ça. C'est ce que j'ai. C'est marqué Nord Printing. Quand même. Alors, je vais charger ça. Ouais. Garage. Bon. S'il vous plaît. Ok. Alors, les armes. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Je comprends pas toutes, là, mais là, je prends pas trop le temps de taponner là-dedans. Je veux quand même faire la première mission, au moins. Alors, on a l'arme à droite, l'arme à gauche, l'arme de dos à gauche, les épaules, hangar, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est les jambes ou genre les cuisses. Alors, l'arme de droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le RFR-100, Low Impact Rifle. Est-ce que je peux... Ok, je peux modifier. Ok, ça c'est un épée. Et j'ai le rifle de base. D'accord. L'autre bord, j'ai le rifle de base. L'épée. Et un rifle. Donc pourquoi pas y aller en dual pistol. Sur le dos, j'ai un... Ah non, j'ai les missiles. Ok, on va y aller avec deux... Hey. Est-ce que je peux mettre deux missiles? Alors, on voit le poids total à droite. Et l'énergie totale que ça prend. Évidemment, ça va influencer ma fluidité. À savoir si je peux être plus rapide ou pas. Là, j'ai rien. Et ben, en fait, je peux rien avoir d'autre. Ok. L'assemblement, là, je peux changer la tête encore. Comme ce qui était le reste. Alors les statistiques sont sensiblement les mêmes. En fait, j'ai juste une tête. J'essayais de changer. J'ai juste un corps aussi. Il va falloir que j'achète des parties. Ou que... Bon, je peux peinturer, je peux tester. J'ai le tutoriel encore une fois. Essayer les nouvelles armes, je suppose. Et sauvegarder le robot comme ça. Parce que je pourrais donc faire plusieurs styles de robots différents. Exemple, pour des missions, il faudrait que je sois plus rapide. Je ferme directement mon robot et je le sauvegarde au lieu d'arriver dans la mission. Je dois sortir, aller là-dedans, changer le robot complet. En fond, tu changes le robot une fois, tu le sauvegardes. Après ça, tu te fais un gigatank de fou, tu le sauvegardes. Tu te fais un robot normal que tu veux jouer le reste des missions, tu le sauvegardes. Fait que tu pars, tu fais ta mission si t'avais pas le bon robot, tu reloads ton schéma, tu loads ton gros robot, tu le prends, tu fais ta mission. C'est même ça fonctionne. Fait que c'est quand même une très bonne chose, au moins. C'est un petit peu plus pensé que ce que c'était avant. Oui, plus complet, peut-être un petit peu plus de taponnage, oui. Mais de base, l'idée est plutôt bonne. C'est plutôt intéressant de ce côté-là. Là, par contre, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir acheter des trucs. Acheter des parties, ou voir le magasin, on va dire. À moins qu'il faut que je fasse la première mission pour pouvoir le déverrouiller. Ok. En fait, je peux juste acheter et vendre. Alors, je ne peux pas encore acheter de trucs avant la première mission. Un peu dommage, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce que ça donnait. Mais bon, alors, on y va comme ça. On start la première mission, on détruit l'ennemi, je vais arriver avec mes gros missiles de fou. Et on va espérer qu'il va se faire exploser la gueule. Parce que sinon, je vais encore faire rire de moi, encore. Alors, un petit vidéo comme ça, je suppose que c'est en même temps un chargement, j'espère. Okay.
for our star. Let's go. Je vais me battre. Let's go. Au moins, j'ai eu quand même un petit tutoriel avant. Comme ça, je peux pas dire je veux jouer. Il y avait quand même un petit peu de gameplay quand même. Malgré que facile. Mais là, on va voir si ça a plus d'allure. Belle petite animation pour faire démarrer la partie avec le hangar qui ouvre. Alors, on va voir si les décors autres que juste, c'est sûr qu'on était dans le training, c'était plutôt fermé, on va dire, hein? Et que c'était des textures, bon, un peu n'importe quoi, semi-transparentes. Là, on va voir si dans la ville... Bon, d'un, ça n'a pas explosé au sol quand je suis arrivé, donc je suis pas très, très pesant. Ça me semble un peu vide. Pas trop de voitures, hein? Bon, je suppose qu'on est en guerre. Là, en haut à droite, on a la carte, donc je peux pas sortir de la carte. Bon, d'un certain côté, c'est correct parce que je peux pas faire le tour du monde non plus avec mes booster packs, là. Faudrait pas exagérer non plus. Là, j'ai eu un super clipping de fou avec les genres de voitures qui sont stationnées. Vous voyez, en face. Ils sont en face, là. OK, juste au-dessus de la rue. Et ils sont apparus. Et là, ils sont plus là. Et ils sont là. En fait... Même les poteaux à gauche totalement de l'écran disparaissent, apparaissent, c'est un peu laid, hein? Donc je vais aller par là, voir. Par contre, c'est sûr que c'est bien rendu pour ce qui est la pesanteur du robot, mais il n'y a aucun... En fait, là, bon, il y a un petit effet de gravier, mais sans plus. Il n'y a pas moyen de pas aller vite, c'est le stick... Dès que j'incline un peu, il se met à marcher et il accélère au complet. Donc, un petit peu dommage pour ça. Là, on dirait que je suis un fou avec mes deux roquettes activées. Est-ce que je peux aller assez haut? On va regarder jusqu'à où je peux aller. Est-ce que je vais me mettre à geler comme... Ok, non, il y a une limite. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt rapide. Ah non, j'ai un blade. Je pensais que j'avais modifié. Non, j'ai gardé mon petit rifle. Il me semble qu'il en reste un là. Ah ouais, c'est ça. Alors c'est exactement ce que je voulais comme viser avec le stick. Que ce soit pas hyper rapide parce que sans ça, ça serait un peu dommage. S'il vous plaît. C'est quoi ce petit effet-là? Là? Alors, on a les gros robots de l'autre côté. Alors là, quand la mission est terminée, par contre, la caméra se met à faire des... Je suis sûr que je pourrais avoir du plaisir avec ça. À faire bugger le jeu, mais quand même. Est-ce qu'il va falloir que je répare mon robot? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Bon, graphiquement, c'est du robot, hein? C'est carré, on n'aura pas vraiment de rond là-dedans. Alors, c'est peut-être plus facile, oui, de faire un jeu. Faut se dire que le jeu date de 2004. Il y a un petit esprit peut-être plus, je dirais quasiment cel-shading que du vraiment réaliste. Dommage pour le clipping dégueulasse qu'on a vu. Aucun effet vraiment de pesanteur du robot, même s'il est extrêmement pesant. On l'entend en courant. Par contre, un bon petit feeling de caméra, le contrôle, c'est très bien. C'est sûr qu'il faut passer par-dessus juste le petit aspect, bon, peut-être un petit peu glitché, on va dire. Parce que pour le reste, je dirais que ça tient la route. Est-ce que c'est supérieur à ce qu'on a vu avant? Oui.
Est-ce que je m'attendais à ça? Pas vraiment, je m'attendais un petit peu moins, là. Faut quand même que je l'avoue. Est-ce que je suis impressionné? Non, quand même pas, là. Ça en prendrait un peu plus que ça. Mais tout de même, je pense que c'est un titre qui peut sortir du lot, surtout qu'on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de jeux de ce style-là. Pourtant, qu'il y a un moment donné, ça n'arrêtait plus. Il y en avait jusqu'à nous écœurer. Et là, ben non, on n'en a presque plus. Et on a, il nous reste ce petit Armored Core 4, du moins sur les nouvelles générations. Chromehound, ben là, le mode en ligne des serveurs sont fermés. Et le solo, ben en fait, c'est de la pratique pour aller au mode en ligne. Donc, on repasse, hein? Sinon, on parle de quoi? Gundam Warrior, Warrior Gundam, je sais pas, un truc dans un petit risque de Dynasty Warrior avec Gundam Wing. Pas sûr, c'est pas génial. C'est juste ça qu'on a. On n'a pas à moins. Bon, ok, il y en a qui vont me sortir des titres, c'est sûr. Je m'en attends, mais dans les connus, bas prix, qui restent maintenant. Ok. Alors, on a une nouvelle partie, c'est ce qu'il fallait que j'attende. J'ai 4 missions maintenant que je peux faire dans l'ordre que je veux, à peu près. Alors ici, on a protégé une cible, détruire tous les ennemis, détruire l'ennemi principal, celui-là aussi. Et on va aller voir pour ce qui est du garage, à savoir les nouvelles parties qui sont à acheter, juste pour voir qu'est-ce que ça donne pour terminer la vidéo. Alors, pour ce qui est des armes, alors on a... ça qui est un nouveau assault rifle. Alors comme on voit, il est beaucoup plus pesant que l'autre d'avant par à peu près 400 unités, je suppose, on va dire ça comme ça, par 400 unités. Et l'énergie que ça coûte, c'est 342 au lieu de 64, et pourtant l'attaque semble moins performante. Parce que je suis à 87 et je descends à 86 avec ce fusil-là. Donc, c'est quand même ça. Ça, c'est fait pour la portée. Beaucoup de portée, donc très bonne chose. Un peu un genre de sniper. Un machine gun, fait pour les combats rapprochés. Alors, ça donne un minigun. Yes, c'est quelque chose. C'est fait pour tirer rapide. On a un pistolet, un genre de magnum, qui est bon comme deuxième arme, comme il est marqué. Comme une arme de backup. Un bazooka, c'est parce qu'on a du stock, hein. Un autre bazooka. Un genre de pistolet, un genre de shotgun, en fait, vu qu'ils disent que ça tire large. Un lance-grenade et le rifle de base. On s'entend que ça fait du stock, là, c'est pas rien. Est-ce que je peux acheter cette arme? D'accord, je suis équipé. En fait, j'ai même pas eu besoin de l'acheter, je pense. D'accord. Je vais garder le blade de l'autre côté. Sur les épaules. Les armes puissantes, des canons, un sniper, un radar, un autre radar. Un autre radar, mais pour du combat de longue portée, des missiles à tête chercheuse, un gros bloc de fou. Moins rapide, des missiles moins rapides, mais qui sont plus précis, on va dire. Sur l'épaule, maintenant, je peux avoir des trucs. Des missiles directs. Détruire les radars en fonction, ça aussi. Et dans les côtés, qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est ce que je peux... mettre dans un étui à part. Donc j'ai le pistolet que je pourrais mettre dans chaque étui de chaque côté à la Robocop. Ça pourrait être bien. Dans l'assemblage, bon, je pense que dans les têtes, on a du nouveau matériel. Alors les têtes un peu, on va dire loufoques, là, comme celle-là est pas super. On va dire que le style, c'est celle-là la plus stylée. De corps, bon, on peut changer ça. On voit ça live directement sur le robot en arrière. Là, je change ça vite. Les bras, il me semble qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi. On pourrait mettre des canons. Pour ce qui est des jambes, probablement qu'on peut se ramasser avec des roues de tank.
Alors, ça coûte ça et j'ai juste ça. Alors, je peux pas faire ce robot-là. Alors, c'est sûr que, en fait, je pourrais acheter directement à mesure, tout simplement. Là, je le ferai pas parce que, bon, ça va être un peu long. Mais, c'est à peu près ce que ça donne. Alors, ce petit Armored Core 4, plutôt étonné. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!